Salut les potos, aujourd'hui, petite vidéo tranquillou, entre amis, on va faire une petite FAQ. J'ai créé la chaîne fin 2013, donc là on est en 2021, si je compte vite sur mes doigts, ça nous fait 8 ans quand même d'existence, et je n'ai jamais fait de foire aux questions. Dernièrement, j'ai passé les 100 000 abonnés sur YouTube, c'est un accident, hein, ça n'a jamais été souhaité par ma part, mais bon, c'est un peu l'occasion, voilà, de se faire une petite séance de questions-réponses entre potes. Alors évidemment entre potes, pas tous les mêmes potes, hein, vous n'êtes pas tous au même niveau, d'accord, parce qu'il y en a là, ils sont en train de se dire ben, comment ça se fait qu'il y a une FAQ, moi je savais pas que je pouvais poser des questions. Et non, parce qu'en fait ceux qui pouvaient poser les questions c'est ceux qui sont abonnés à la newsletter. Et oui, voilà, parce qu'il y a ceux qui me regardent sur YouTube, il y a ceux qui me suivent sur Insta, sur Facebook et tout, et il y a ceux qui sont abonnés à la newsletter. C'est encore, tu vois, c'est la crème de la crème. Donc si tu veux participer à une prochaine FAQ, abonne-toi à la newsletter, il y a le lien juste en dessous, tu vois. Donc puis il y a des cadeaux, il y a des trucs de malade, quoi. C'est incroyable, c'est Noël en fait. Donc petite séance de questions-réponses sans prise de tête. J'ai pas envie de rentrer dans des trucs techniques et tout. C'est juste une petite vidéo entre potes et je pense qu'on va passer un moment plutôt sympa. Allez, c'est parti. Alors première question d'Antonin. Alors Antonin, j'aime beaucoup ton prénom. Penses-tu que le mouvement carnivore slash cétogène commence à avoir de l'impact en France? Le truc c'est que carnivore slash cétogène, c'est-à-dire que l'un et l'autre, ils n'ont pas grand chose à voir. Les gens seront plus ouverts sur le céto que sur le carnivore. Alors pour revenir sur le céto, pour développer l'état du céto en France, ça reste un truc assez, comment dire, pas élitiste, hein, mais c'est très niché en fait. Il n'y a pas grand monde qui se lance dans le céto. Il y a beaucoup de gens qui ont conscience qu'ils consomment trop de sucre. Ça oui, qui réduisent leur apport en sucre rapide, c'est-à-dire qu'ils vont éviter tout ce qui est le sucre en poudre dans le café, ils vont éviter les bonbons, les pâtisseries, les conneries, mais ils vont quand même garder des glucides à travers les fruits, donc ils vont se définir comme low carb. Ça, c'est la majeure partie des gens. Ensuite, on a des gens qui disent qu'ils font du cétogène. Alors, j'ai vu plein de vidéos sur YouTube de gens qui disent oui, alors j'ai essayé le régime céto, keto, c'est pas terrible. Alors, j'étais en céto du lundi au samedi, et après le dimanche, c'était open bar, j'ai le droit de faire ce que je voulais. Donc, ça, c'est pas du cétogène, hein, c'est juste se priver pendant 6 jours pour s'éclater sur le 7e, ça permet pas de déclencher le processus. Donc le cétogène, ouais, en France c'est pas encore trop ça, et alors le carnivore encore moins. Après ça dépend même de la définition de carnivore, ok, parce qu'on n'a pas tous la même. Pour moi carnivore ça veut dire dominant animal, mais je sais que pour la plupart des gens qui sont dedans, et d'autres d'ailleurs qui sont dehors aussi, hein, pour beaucoup de personnes carnivore ça veut dire manger que des produits animaux exclusivement, c'est une sorte de contraire du véganisme. Et vu que c'est pas moi qui fais les définitions des mots, c'est vrai que peut-être que moi je vais cesser d'employer le terme carnivore et rester plutôt sur le terme dominant animal, parce que j'ai peur qu'il y ait des malentendus. En fait, moi je mange des végétaux à côté. Hein. Là, il n'y a rien derrière moi, mais normalement il y a une corbeille de fruits. De temps en temps, là c'est la saison des litchis à La Réunion. À La Réunion on dit litchi avec un E. Vous dites litchi, c'est bien. Ça je le pousse, mais c'est une merde. C'est très très bon les litchis, donc ce serait dommage de s'en priver. Mais je reste sur une dominante animale avec un peu de glucides. Donc les gens diront que je suis pas carnivore. Donc c'est vrai que le terme carnivore, je vais pas le conserver, je pense pas. Voilà, par souci de clarté. Et puis comme c'est pas moi qui fais les définitions, comme j'ai dit, voilà, on va s'adapter. Et donc en France, le carnivore, il est condamné, je pense, à rester dans quelque chose de très fermé, parce que la France, c'est pas les États-Unis. Autant en Amérique et dans les pays anglo-saxons, ils ont pas de culture culinaire vraiment développée. C'est pas pour les insulter, hein, mais ils ont pas de vraie culture comme on a nous en France. Nous, c'est le pays de la gastronomie. Et c'est vrai que comme on a un goût pour le goût, forcément, ça intéresse personne de manger que de la viande et des produits animaux. Les gens veulent que ça pète en bouche. On n'a pas cette culture-là, en fait, d'exclusivité. Voilà. Je pense que le carnivore, ça explosera jamais en France. Ça restera quelque chose de très niché. Je pense pas que ça prenne de l'ampleur. Et c'est pour ça que du coup, moi-même, je vais arrêter d'utiliser le terme carnivore et parler plutôt de dominante animale, que je trouve plus parlant, en fait. On reste dans l'idée, tu vois, de l'inconscient, que ça reste quelque part un peu équilibré. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Antonin. Une question de Nicolas. Alors, serait-il possible de faire une expérience où tu fais une prise de sang avant et après une diète carnivore pour contrôler tes constantes hormonales? Alors, techniquement, Nicolas, ça serait possible, bien entendu, il n'y a rien qui l'empêche, mais pour moi, je ne le ferai pas. Je pense que si tu poses cette question, c'est pour un régime carnivore strict, hein, parce que sur une dominante animale, je ne vois pas trop l'intérêt de le faire, puisque je consomme de toute façon des protéines, des lipides, des glucides. C'est juste un problème de quantité, des quantités qui changent. Je mange essentiellement des produits bruts, donc j'ai pas de raison en fait d'aller contrôler mes constantes. Donc je pense que tu poses ça pour un régime carnivore strict. Alors moi j'ai pas prévu de me relancer dans un strict, et surtout dans ce cadre là parce que si tu veux faire des prises de sang, l'intérêt c'est de le faire à court terme, moyen terme, long terme, sinon ça a aucun intérêt. Si tu fais juste un régime pour voir à 30 jours le résultat, dis-toi que quand tu te lances dans quelque chose de nouveau, il va y avoir des choses, mais le résultat à un mois c'est pas le résultat à 6 mois, et le résultat à 6 mois c'est pas le résultat à un an. Faut essayer de voir, de mettre tout ça en perspective. Donc
Moi, a priori, je le ferai pas parce que ça sous-entend de se lancer sur une période très très longue. Mais après, peut-être il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Faut regarder un peu sur YouTube, faut chercher. Et sinon, si quelqu'un l'a fait, en tout cas, je pense pas que ce soit dans le monde francophone. Mais s'il y en a qui veulent le faire, faites-le. Ça pourrait être très intéressant parce que tu poses la question. Mais moi aussi, ça m'intéresserait d'avoir plus d'informations que ça sur le sujet. Voilà. Alors ensuite, Fanny, comment intégrer le carnivore dans la vie de nos enfants quand ils mangent à la cantine? À la maison, ils aiment manger comme moi, alors que du coup, le midi, ils mangent pas carnivore. Est-ce que ça risque pas d'être contre-productif? Alors contre-productif, pourquoi exactement? Parce que si déjà, ils ont une bonne quantité de produits animaux, moi j'ai envie de te dire tout va bien, il faut qu'ils fassent leur vie de gosse en même temps, hein, c'est-à-dire qu'ils mangent un peu de tout. Moi, je suis pas dans un délire. J'aime pas l'idée de priver des enfants, tu vois, même des adolescents, c'est ça, que je dise pas de bêtises, c'est des enfants ou des ados. Moi, je sais pas, il y a juste la vie de nos enfants. Donc, je sais pas, Fanny, quel âge ils ont, mais il faut toujours essayer de chercher un équilibre avec les enfants et surtout ne pas priver. C'est priver qui est contre-productif, en fait. C'est pas grave si le midi, ils mangent un peu de riz, un peu de pâtes, c'est pas un drame. Si toi, le soir, tu leur sers des bons produits animaux et qu'ils en ont aussi au petit-déj, en plus, le midi à la cantine, généralement, hormis le jour de repas végétarien qu'ils ont mis en place dans toutes les écoles et que ce fada là d'Éric Piolle, maire de Grenoble, il a envie de passer à deux ou je sais pas combien. Je veux dire, les autres jours, il y a des produits animaux dans l'assiette également. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les enfants métabolisent très bien tout ce qu'ils consomment. Donc, il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Mais surtout, ne rentre pas dans un truc jusque boutiste où tu voudrais que tes enfants aussi soient de manière stricte comme ça à respecter une diète très restrictive parce que en grandissant, ils pourraient te le reprocher. On ne sait pas de quoi demain sera fait, tu sais. En fait, faut pas rentrer dans les extrêmes comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas partisan, donc Fanny, change rien. C'est très bien, ne change rien du tout. Alors, une question de Lionel, à quand de nouveaux trainings? Alors Lionel, pour te répondre clairement et pour répondre à tous ceux qui se posent la question, parce que tu n'es pas le premier à me la poser, je ne sais pas du tout si je vais reprendre des trainings. Et là, il va falloir me le dire en commentaire, je compte sur vous. Hein. L'intérêt de cette vidéo, c'est d'échanger un peu sur ce que vous voulez voir sur la chaîne. Les trainings sont les vidéos les moins vues de ma chaîne. Et généralement, quand je sors un training, je fais très peu de vues, quoi, tout simplement, hein, très peu de vues, très peu de commentaires. Du coup, moi, si je fais des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues essentiellement, qu'elles soient partagées, qu'elles soient utiles au plus grand nombre. Donc, les trainings, je sais pas si je vais les reprendre. Comme je vous ai dit, dites-moi en commentaire si vraiment vous me dites oui, des trainings, pas de problème, je reprends. Donc, la première raison pour laquelle j'en fais plus depuis un moment, c'est celle-là, c'est parce qu'en fait, c'est pas très très vu comme vidéo. Et la deuxième raison pour laquelle j'en fais plus, c'est que je ne m'entraîne plus comme ça depuis un bon moment. Et donc, si là, je reprends les trainings, en fait, je vais périr. Donc, si vous voulez me voir crever et vomir sur YouTube, parce que moi, je coupe pas, hein, si je fais un training, je vomis, je vous laisse sans montage, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais si vous voulez voir ça, oui, pas de problème, je peux me relancer dans les trainings. C'est juste que le HIIT, en fait, quand t'en fais pas depuis un moment, c'est un peu ingrat, c'est-à-dire que tu perds beaucoup. Donc là, je suis plus sur du musculaire, hein, je fais un peu de muscu, je fais un peu de muscu au poids de corps, un peu de muscu à la salle. Et c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber l'intervalle training. Donc, les nouveaux trainings, oui. Mais il faut me dire que vous voulez les voir. Et deux, il faut que je me prépare un peu parce que ça va être violent. C'est-à-dire, même si je reprends les trainings que je faisais il y a quelques temps, que je vous ai balancé déjà sur la chaîne, je pense pas que je fasse le même résultat au niveau du timing. Mais pourquoi pas, moi, les nouveaux trainings, ça me dit bien à la base. Hein, j'ai pas de souci avec ça. Et deuxième question, Lionel, où en es-tu de l'équilibre en force? Alors, pour ceux qui sont pas au courant, j'avais fait une vidéo pour dire que j'allais apprendre à faire l'équilibre en force. J'avais fait la première vidéo et après, j'avais prévu de sortir d'autres vidéos pour vous tenir au courant. Bon, j'ai jamais fait. Alors, franchement, la honte sur moi, hein, j'aurais dû le faire. Mais c'est vrai que maintenant que tu me poses la question, je pense que je vais réessayer, tu vois, de choper l'équilibre en force. Mais je vais pas faire des vidéos de suivi, c'est-à-dire que je vais le faire tout seul dans mon coin, tranquillou. Je vais me filmer régulièrement et je ferai juste une vidéo en disant j'ai mis tant de jours pour apprendre l'équilibre en force. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire si je le fais, je le fais, mais si je le fais pas, j'aurais pas lancé un truc vous attendez qu'il se passe quelque chose. Donc l'équilibre en force, la première vidéo, elle a pas eu de suite. Je ne sais toujours pas le faire. Voilà, mais je garde ça sous le coude. Peut-être que d'ici 2-3 mois, vous verrez une vidéo comment maîtriser l'équilibre en force en 30 jours. Ça serait pas mal comme idée. Une question de Max TD. Alors Max qui demande, qu'as-tu fait pendant un an? Oui, parce que j'ai pas sorti de vidéo pendant un an. Et en fait, pendant un an, j'ai tout simplement mené une vie normale de personne qui n'est pas sur YouTube, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Une vie tout à fait classique de père de famille, époux.
fous et tout quoi. Et ben, j'ai rien fait, je fais la vie de tout le monde, je suis allé bosser et puis le soir je rentre à la maison et je m'occupe de ma femme, de mes enfants, de tout le monde. Le week-end on promène, on fait des choses, je sors le chien, voilà. J'ai pris du temps en fait pour vivre normalement et de sortir un peu de tout ce contexte un peu numérique, voilà, des réseaux sociaux, de tout ça. Et puis ça fait énormément de bien en fait, hein. Moi je vous conseille, bon après moi c'est parce que je fais des vidéos sur YouTube, c'est peut-être autre chose encore, mais si déjà tu trouves que tu passes trop de temps à regarder des vidéos YouTube, sauf celle-ci bien sûr, hein. sauf Santé de Fer bien sûr, hein. Ça n'a rien à voir. Mais si tu trouves que tu passes trop de temps à regarder les réseaux sociaux, en fait le critère c'est quand tu te lèves le matin, tu ouvres ton téléphone, il y a un souci. Quand tu vas aux chiottes, tu vas jamais sans ton téléphone, il y a un souci. Quand tu vas dans la voiture, tu mets ton téléphone pour en Bluetooth, écouter des trucs et tout. Voilà, c'est peut-être qu'une petite détox numérique, ça ferait pas de mal. Voilà, peut-être. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant un an. Je me suis fait une grosse détox de vidéos, de réseaux sociaux. Et ça m'a permis de reprendre une vie tranquille, d'être un peu plus apaisé, d'être plus relax. Non pas que j'étais stressé, mais bon. D'être un peu plus dans le monde réel, quoi. Et surtout, ça m'a redonné la motivation de revenir vers vous, de refaire des vidéos. Et voilà, ça m'a filé un peu la niaque. Donc voilà, un an de vie banale, en fait. Alors, question de Nico. Est-ce que tu as toujours une alimentation à dominante carnivore? Je crois que j'ai répondu juste avant. Ouais, j'ai toujours une alimentation à dominante carnivore. J'ai pas de raison de la changer, elle est très bien. Voilà, y a pas de souci, hein, ça m'empêche pas d'avoir une vie normale. Et combien ça te coûte par mois? Alors ça, par contre, je pourrais pas te répondre, j'en ai aucune idée parce que je piste pas en fait mes dépenses alimentaires. Et surtout, les courses, je partage les frais des courses avec ma femme, donc je sais pas du tout. Il faudrait qu'à chaque fois je prenne le ticket de caisse et je note ce qui a été acheté pour moi et que je fasse le calcul. Donc j'en ai pas la moindre idée, mais ce que je sais c'est que quand j'avais fait la vidéo où j'ai une journée dans mon assiette carnivore, ouais, c'est bien ça, je vous mettrai le lien ici si vous l'avez pas vu, il me semble que j'avais estimé ça à 15-20 euros par jour à peu près pour un régime carnivore strict, c'est à dire si tu te nourris que de ça, des œufs, de la viande, voilà, si tu manges que ça, 15-20 euros. Mais moi c'est pas très représentatif dans le sens où j'habite à La Réunion, mais pour ceux qui connaissent La Réunion, la vie est un peu plus chère au niveau alimentaire. Donc voilà, je pourrais pas quantifier, mais je pense que à 15 balles par jour grand max en métropole, tu peux t'en tirer facile. Mais tu vas pas manger que des steaks de bœuf, tu vois, tu vas manger des œufs surtout. Voilà. Arnaud, quel est ton signe astrologique et aussi où tu vis et par où tu es passé? Arnaud, ta question est drôlement intéressante. L'astrologie, c'est de la merde, Arnaud. On s'en fout complètement, ça repose sur rien. Mais je vais te répondre parce que ma femme est une grande fan d'astrologie. Donc je suis Lion, ascendant Lion. Voilà, si tu voulais encore plus de précision. Donc Lion, ascendant Lion, deuxième décan. Donc je suis très fier de mon signe astrologique occidental. Par contre, en astrologie chinoise, je suis chèvre. Et personne n'a envie de s'identifier à une chèvre. Donc en tout cas, l'astrologie chinoise, c'est de la merde, c'est sûr. Et l'autre question, c'est quoi? Où tu vis? Je vis à l'île de La Réunion. Je crois que c'est pas la première fois que je le dis quand même. Et par où tu es passé? Alors, par où je suis passé, tu veux dire quoi? Au niveau... De toute façon, tu vas pas me répondre. Alors, au niveau géographique, je suis passé par Marseille, par l'Espagne, le Maroc, la Grèce, Madagascar, Maurice, la Chine, l'Inde, l'Argentine. J'ai un peu bougé, je suis un peu passé partout. Sinon, au niveau professionnel, j'ai un brevet d'état des métiers de la forme. Voilà. Question de Vincent. Vas-tu faire des vidéos de débat comme tu as fait avec Jérém de Vitality TV, alimentation, santé, sport, vie tous les jours, etc. Alors Vincent, juste pour préciser, avec Jérémy, c'était pas un débat, c'est une interview en fait. Hein. Je lui ai fait une interview sur ma chaîne et lui m'a ensuite fait une interview sur sa chaîne parce que sur la mienne, il racontait son parcours à travers la naturopathie, le végétalisme et tout. Et puis après, il est arrivé sur le produit animaux. Et moi, sur sa chaîne, je parlais essentiellement du véganisme, hein, il me semble. Donc voilà, ce sont des interviews, donc des débats. J'ai proposé un débat justement il y a quoi, la semaine dernière à la Tronche en Biais. Je pense pas qu'ils me répondent, hein, sincèrement, parce que bon, voilà, ils ont d'autres choses à faire et je pense que c'est eux qui choisissent leur planning et tout, ils vont pas répondre à tous les gens qui les interpellent. Et sinon, faire des interviews, ça me dit bien. Il y a des gens sur YouTube que j'aime beaucoup et que je devrais interviewer. Je pense notamment à Richard sur Terre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne de Richard sur Terre, c'est un chasseur qui parle de la chasse et qui s'en prend vigoureusement aux anti-chasses et aux animalistes et tout et tout. Et j'aime beaucoup sa chaîne et je pense que ça serait bien de lui permettre de diffuser un peu plus son message sur la chasse. Moi, je ne suis pas chasseur, hein, mais c'est vrai que j'ai beaucoup pêché. Et tu remarqueras d'ailleurs que dans la population, la pêche et la chasse, c'est pas pareil. La pêche, c'est gentil.
Tu tues des animaux quand même, hein. Mais pour beaucoup de gens, ça va, c'est pas grave. Pêcher, c'est une activité de loisir qu'on fait avec son père, son oncle, son grand-père. C'est gentil, c'est familial. Et chasser, ce serait une saloperie. Bon, alors qu'en fait, fondamentalement, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a des animaux qui vivent dans l'eau et d'autres sur terre. Donc, comme j'ai pas de problème avec la pêche, j'ai pas de raison d'en avoir avec la chasse. Ou alors, faut admettre qu'on préfère les mammifères aux poissons. Voilà, ça, faut le dire clairement. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien interviewer Richard sur terre. Quand je lui enverrai un message un de ces jours, je sais pas, on verra. Donc, des vidéos, voilà, d'interviews. Ouais, j'aimerais bien en faire d'autres. Faudrait que je fouille un peu plus YouTube. C'est vrai que je passe pas trop mon temps non plus sur le YouTube francophone en fait. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai pas trop de gens à interviewer. Kevin, t'as un paquet de questions, j'ai l'impression. Donc, y a-t-il un arbitrage santé à faire si on n'a pas les moyens de consommer de la viande issue d'animaux nourris à l'herbe, nourris avec, entre parenthèses, nourris avec des céréales toxiques qui par la même occasion entraînent une viande et de la graisse de moins bonne qualité? Ou bien est-ce toujours intéressant pour notre santé, peu importe la provenance de la viande? Que les choses soient claires. Tout est une affaire de moyens. Si tu as les moyens, bien évidemment, prends la viande qui a été produite de manière plus éthique, on va dire, d'accord? Avec des animaux en liberté, en pâture, nourris à l'herbe, tout ce que tu veux. Tous les labels, tous les tampons, tu les prends. Il n'y a pas de problème. Si tu as les moyens, pas de problème. Après, si tu ne peux pas, et moi par exemple, je fais partie de ce cas-là, je ne peux pas, les gars, je vous le dis tout de suite, ne vous imaginez pas que je mange de la viande bio. Non, je suis comme tout le monde, je vais chercher les promos, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux avec mes moyens, voilà, tout simplement. Donc, mon alimentation, à ce niveau-là, elle ressemble très fortement à la majorité des gens. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il faut toujours se mettre en tête que même des produits animaux produits d'une manière industrielle et pas optimale, ce sera toujours bon à intégrer dans votre alimentation. On apporte quand même des quantités de nutriments bien supérieures aux produits végétaux. Donc, si tu n'as pas le choix, tu prends la viande qu'il y a au prix que tu peux te payer, point barre. Et elle t'apportera toujours énormément de bonnes choses. Ça, je pense que je ferai une vidéo dessus de toute façon parce que c'est un sujet complexe et j'ai pas envie de passer 10 minutes là-dessus, mais il n'y a pas de différence transcendantale entre la viande, on va dire, bien produite et la viande moins bien produite. Il y a quelques différences, mais c'est pas non plus un gouffre. Il n'y a pas un ravin de... Voilà, il faut arrêter d'idéaliser à mort les produits bio, nourris à l'herbe, quantité, voilà. Donc, te fais pas de soucis. Et ne vous faites pas de soucis, et moi je m'en fais pas, puisque c'est ce que je fais. Allez chercher les promos, offrez-vous ce que vous pouvez vous offrir, et vous prenez pas la tête plus que ça. Hein. Comme tu as dit dans certaines vidéos, tu n'es pas dogmatique et tu ne refuses pas un repas ou une part de gâteau lors de moments de convivialité avec ta famille notamment. Selon toi, quelle est la fréquence maximale acceptable de ces écarts pour à la fois profiter de ses proches tout en restant en bonne santé? C'est une question, ça, en fait, t'as pas de fréquence fixe. Comme toute chose, en fait, que ce soit avec, par exemple, le tabac, l'alcool, d'autres, ou même le café, ce qu'il va falloir éviter, c'est le côté quotidien. Voilà, faut éviter que... il faut éviter que la fréquence soit trop élevée. Il y a une différence entre fréquence et ponctualité. Quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose que tu n'as pas prévu, ça vient comme ça, voilà, ben, dimanche. Là, par exemple, ce soir, c'est l'anniversaire de mon beau-frère. Je déconne pas, hein. Au moment où je tourne la vidéo, ma femme m'a appelé, elle me dit « Oh, ce soir, il y a l'anniversaire du bof, on va manger chez mes parents, nanana. » Alors, je bois pas d'alcool, hein, par exemple, ça, j'ai totalement arrêté, mais c'est sûr, je vais manger une part de gâteau à la fin, je vais manger, selon le repas, s'il y a du riz, on est à La Réunion, les gars, hein. S'il y a du riz, t'as pas le choix, faut le bouffer. Donc, s'il y a un peu de riz, je vais prendre un peu de riz, voilà, je m'intègre. Mais je vais pas faire ça tous les deux jours, je fais ça de manière ponctuelle. Donc, la fréquence à laquelle, la fréquence qu'il faut trouver, pardon, pour rester en bonne santé, c'est à toi de te la trouver, d'accord? Moi, je ne peux pas te l'inventer, ta fréquence. Ce qu'il faut, c'est que tu aies ce contrôle sur les choses. Il ne faut pas que tu sois là en train de te dire « Mince, alors il y a deux jours, j'ai fait ça, donc maintenant, je ne peux pas faire ça. Alors la prochaine fois, ça sera dans deux jours aussi. » Si tu commences à rentrer dans des calculs, c'est que déjà, tu perds le contrôle. C'est la ponctualité des choses qui fait qu'il n'y a pas de souci. Et après, bien entendu, il y a une fois que tu es dans le repas, la quantité de produits ingérés. Parce que là, je vois que ta question d'après, c'est aussi à quoi ressemblent les quelques heures qui suivent l'ingestion de ces repas ou gâteaux. Es-tu en PLS? Alors, après, non, je ne suis pas en PLS parce que je n'exagère pas. Si je commence à me manger une assiette comme ça de riz et à la fin, je me prends une part comme ça de gâteau avec de la chantilly, là, je suis en PLS. Mais tu peux être sûr que tu me retrouves par terre plié comme ça pendant 6 heures. Voilà, c'est un problème de quantité. Et ça, la quantité, c'est quelque chose d'individuel. Moi, je ne peux pas te la donner à ta place. Les écarts sont ponctuels et en quantité raisonnable, tout simplement. Voilà, c'est une réponse bateau, mais c'est la seule réponse que je peux te donner là. Alors, je pense, j'ai noté ça comment? Je crois que Kevin, c'est toujours toi qui me poses ces questions-là. Donc, côté pro,
Comptes-tu un jour monétiser sans tête de fer, que ce soit par la vente de formations, séminaires, livres de recettes, etc., etc. Alors, ça ne doit pas faire très longtemps que tu me suis parce que moi, au début où j'ai lancé la chaîne, j'avais monétisé déjà. Je vendais des programmes de remise en forme. J'avais un programme de remise en forme, un programme de corde à sauter, des programmes alimentaires, bref. Donc, j'ai déjà monétisé sans tête de fer. Je l'ai déjà fait. D'ailleurs, ça marchait très bien à l'époque. J'ai arrêté de ces programmes-là parce que j'étais plus trop d'accord avec ces programmes. Que je vendais à l'époque et je pense travailler sur de nouveaux programmes. Alors plus évidemment sur la dominante animale, un programme par exemple de remise en forme sur 3 à 6 mois où je vais inclure des entraînements sportifs et une alimentation complète, mais pas juste un guide, mais vraiment plusieurs dizaines de recettes à dominante animale, voilà, qui va se combiner. Donc ça, pareil, dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse. Comme ça, j'y travaille et j'essaye de sortir ça dans le courant de l'année, idéalement avant l'été, que ça puisse intéresser du monde. Donc oui, je vais monétiser, je vais remonétiser, pour être honnête. Et je travaille également sur un livre actuellement. Donc j'ai commencé la rédaction du bouquin. Alors j'ai commencé, j'ai mis le titre sur la couverture. Après, j'ai fait les remerciements. Donc, je remercie ma mère, je remercie ma femme qui m'a toujours soutenu, tout ça. Et après, j'ai fait 10 pages. Pour l'instant, j'ai fait l'intro. C'est un livre sur le véganisme. Pas nouveau, hein, mais je pense que c'est un sujet complexe et c'est bien d'écrire un livre sur ce sujet-là. C'est la série Jamais Vegan, mais en bouquin. Voilà. Le but, c'est de vous donner les armes pour contre-argumenter si vous deviez argumenter et puis surtout pour éviter à plein de monde de tomber dans l'escroquerie du véganisme. Voilà. Donc, ça, c'est les projets. C'était quoi les trucs là? Les projets de monétisation, c'est ça, c'est programme et bouquin. Voilà. Donc, et dites-moi dans les commentaires si le bouquin, ça vous intéresse. Parce que peut-être une fois que j'avancerai dans la rédaction, je filerai un peu les premières parties à quelques personnes de la newsletter pour justement avoir un feedback sur la rédaction du bouquin. Donc ça, c'est un truc que je veux mettre en place avec vous, hein, en interaction, pour que vous ayez un produit qui vous plaise à la fin, quoi, tout simplement. Voilà. Côté perso, pourquoi avoir déménagé à La Réunion? Alors, j'ai pas déménagé volontairement à La Réunion. En fait, c'est un concours de circonstances. En fait, à l'époque, je voyageais pas mal. Je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, mais je voyageais pas mal. Hein, Chine, Inde, blablabla. Et donc là, j'avais prévu de venir à La Réunion voir un pote, Cyril, si tu regardes la vidéo. Voilà, comme ça, parce que lui, il travaillait là pour une période de 2 ans, il me semble. Donc, j'avais prévu de venir avec mon sac à dos. Ben alors, Spike, tu fais quoi là? J'avais prévu de rester 2 mois, 3 mois. Et ensuite de me barrer en Thaïlande, puis aux Philippines, voilà, de bouger un peu quoi. Et quand je suis arrivé à La Réunion, je suis arrivé le 11 septembre 2012. Donc je m'en souviendrai de la date, hein. Déjà parce que c'est le 11 septembre. Mais aussi parce que le jour où je suis arrivé, j'ai rencontré ma femme en fait. J'ai croisé une belle Kafrine qui était très sportive, très athlétique. Elle m'a mis le grappin dessus comme ça et depuis, je ne peux plus partir. Qu'est-ce que je fasse? Pour ceux qui ne connaissent pas les Kafrines du port, faites gaffe les mecs. Hein. Elles vous chopent, elles vous laissent plus partir quoi. Hein. C'est fini après. Hein. Donc je vis à La Réunion parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai fondé mon foyer, j'ai mes gosses qui vont à l'école, on est bien, et puis voilà. Et puis voilà, je vis à La Réunion, un concours de circonstances, j'ai pas déménagé à La Réunion volontairement. Ensuite, qu'y a-t-il de plus, mis à part le climat ensoleillé? À part le climat ensoleillé, t'as des paysages à couper le souffle. Tu prends tous les paysages en fait que tu peux imaginer sur la planète, tu les condenses et tu les poses sur une île, voilà, au milieu de l'océan Indien, et t'as La Réunion. Et grâce aux milliers de kilomètres de sentiers qu'on a sur l'île, en faisant des randos, tu découvres quelque chose de merveilleux. T'as un volcan aussi, en éruption régulièrement, c'est quand même pas mal. T'as Spike! Purée, t'es en train de me couper la parole à chaque fois là? T'as également des centaines de bassins, de cascades pour te baigner, d'eau douce. Moi, là où je vis, je suis à 5 km grand maximum d'une dizaine de bassins, de cascades. C'est-à-dire moi, je vais aller me baigner, je vais me baigner sous des cascades. Voilà. Et ça, en fait, une fois que tu l'as, t'as plus envie de le lâcher quoi. T'as plus envie de bouger. Tu vis dans un cadre paradisiaque et sans parler de la bouffe et puis de la population locale qui est très sympa. Bon, ça, je le dis pour pas me faire couper la tête dehors dans la rue, hein, les Réunionnais. Hein, ôtez La Réunion, les là, hein, vous êtes sympas. Voilà, je suis marié qu'une Kafrine, les gars, déconnez pas. Où habiterais-tu si tu devais revenir en France? Région ou département, voire ville? Pour être le plus honnête du monde, il y a très peu de chances que je retourne un jour vivre en métropole. Parce que quand tu t'habitues à la chaleur, du coup, l'hiver, c'est un truc qui paraît inconcevable. Enfin, moi, je me verrais pas retourner en hiver en métropole, ça me paraît... Non. Je suis en short claquette toute l'année. Pourquoi tu veux que j'aille m'emmerder à mettre des doudounes, des machins? En plus, moi, je suis pas ski, neige et tout. Ça a jamais été mon délire. Donc, ça me manque pas, tu vois, le côté métropole. Et puis aussi parce que j'ai l'impression, alors vous me direz, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'en métropole, l'ambiance, elle est pas...
Je sais pas, c'est un peu tendu, ça m'a l'air un peu, je sais pas, c'est gris quoi, c'est pas, ça zouk pas beaucoup quoi. Ça c'est sûr, donc non, je pense pas que je retournerai un jour en métropole, mais imaginons qu'un jour le volcan ici pète complètement, tout le monde crève, l'île coule. Eh, ça peut arriver, une île qui coule, non, je pense pas. Mais bon, on sait jamais, je retournerai soit de là d'où je viens, c'est-à-dire côte méditerranéenne. Alors pas à Marseille même, je vous le dis franchement, parce que c'est Marseille... Voilà quoi, j'y suis retourné cet été, c'est bon les gars, vous êtes trop stressés les gars. Bon, je me souviens pourquoi j'étais parti, ça faisait 10 ans que j'avais pas mis les pieds à Marseille. Là j'y suis resté 4 jours, je dis c'est bon merci. Voilà, je suis tranquille pour 10 ans. Donc Marseille non, mais la côte méditerranéenne sûr, parce que je suis un grand fan de la Méditerranée. Ou alors côte basque. Voilà, côte basque, vraiment comme ça, je suis pas loin d'Espagne. Et puis surtout je peux faire du surf, au Pays Basque, il y a bonne ambiance aussi, voilà. Donc je pense avoir répondu à toutes tes questions, Kevin, si j'ai pas de bêtises, fais voir. Kevin, ouais, t'en avais des questions toi. Question de Simon, à quand une vidéo avec pas vegan? Ça pourrait être une bonne idée. Alors j'ai déjà fait une vidéo avec pas vegan. Alors je sais pas si tu me poses cette question pour savoir si je vais en refaire une, mais on en a déjà fait une ensemble. C'était le Jamais Vegan 3, si je me trompe pas, qu'on avait fait en collaboration. Et c'était lui qui était venu me chauffer parce que j'avais fait vegan, Jamais Vegan 1 et Jamais Vegan 2 quelques années auparavant. Et après j'avais arrêté de parler du véganisme. J'avais arrêté. Et lui qui venait de créer sa chaîne m'a dit putain David... Il m'a contacté pour me dire je regardais tes vidéos avant de lancer ma chaîne et tout, vas-y viens on fait un featuring parce que nique le véganisme quoi, voilà c'est tout, il n'y a pas besoin de justifier plus quoi, hein, normal. Et donc il m'a rechauffé et c'est lui qui m'a relancé dans l'anti-véganisme primaire. Donc Adrien, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup, c'est très sympa. Donc une prochaine vidéo avec pas vegan, pourquoi pas, faudrait qu'on en parle tous les deux, qu'on discute un peu du sujet, mais je t'avoue qu'on se parle pas beaucoup ces derniers temps, je sais même plus s'il fait encore des vidéos sur le véganisme ou pas. Donc voilà, déjà fait une vidéo avec pas vegan, mais pourquoi pas refaire, pas de problème. Bron, qu'est-ce que c'est que ça? Brontoxir. Tiens, c'est quoi ce nom, Brontoxir? C'est quoi ton background? Ça fait 8 ans qu'on te connaît, on n'a toujours pas ton pédigré, nom d'un chien. D'où viens-tu? Quelle formation as-tu fait? Depuis combien de temps travailles-tu dans le secteur? Putain, t'as plein de questions, on va faire dans l'ordre. Alors, le background, c'est vrai qu'en 8 ans, bah, du coup, j'ai jamais trop expliqué. Ouais, tout le monde sait que je m'appelle David, quoi. Ok, alors d'où viens-tu? Je vais vous balancer ma vie, voilà, depuis l'origine des origines. Alors, comme mon nom est écrit sur la chaîne, mon nom, c'est David Siegel. David Siegel, c'est un nom de famille autrichien parce que du côté de mon père, on est d'origine autrichienne. Alors, je ne sais pas si vous voyez le t-shirt, il y a écrit Vienna, mais en fait, on dit Wien. Ich bin David, ich bin 42. Je sais juste dire ça, je dis que je m'appelle David, j'ai 42 ans. Donc, je suis autrichien de Vienne à la base. Et du côté de ma mère, c'est la famille Lopez. Hein, ce sont des immigrés espagnols qui ont déboulé dans les années 60. Donc, je suis en fait franco-espagnol. J'ai la double nationalité, j'ai deux pièces d'identité, mais avec un nom de famille autrichien. Mais j'aime bien le mix parce que c'est un peu, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est ce lien qu'il y a toujours eu entre l'Espagne et l'Autriche avec les Habsbourg, hein, pour ceux que, voilà, qui connaissent. Je suis la rencontre à mi-chemin de personnes assez éloignées. David Siegel Lopez, hein, de mon nom complet en Espagne. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Berolestan, pour ceux qui connaissent, située à quoi, 10 bornes de Marseille, 15, ouais, une dizaine de kilomètres, 20 kilomètres de Marseille. Petite ville très sympa au demeurant, au bord de l'étang de Berre. Voilà. Et je viens de là-bas. Après, j'ai vécu un peu dans le 15e à Marseille. Et après, j'ai vécu en Espagne. Et après, j'ai bougé. Et puis voilà, quoi. Quelle formation as-tu fait? Alors, j'ai fait un brevet d'état des métiers de la forme. En fait, à l'âge de 17 ans, je me suis fait renvoyer de l'école parce que j'y allais plus. Le deuxième trimestre, je crois que j'avais 85 demi-journées d'absence, un truc comme ça. Et là, ils m'ont dit, David, c'est plus la peine de venir, tu perds ton temps. Donc là, ensuite, moi, ben, je me suis engagé dans l'armée. Quand je me suis engagé dans l'armée à 18 ans, j'ai réussi quand même, en tant qu'engagé volontaire, à ne pas rentrer de permission et à faire une désertion. Donc là, quand ils m'ont chopé, mon capitaine m'a dit, avant de m'envoyer 2 semaines au trou, vous êtes une personne extrêmement intelligente ou extrêmement conne, je ne le sais pas. Voilà, aujourd'hui encore, il doit se poser la question. Il m'a dit, c'est la première fois qu'on voit un engagé volontaire qui déserte. Bon, bref, donc l'armée, c'était pas pour moi. Après, j'ai été manutentionnaire, j'ai bossé dans tout et n'importe quoi. J'ai travaillé comme cariste, j'ai fait de la préparation de commandes, j'ai travaillé dans le nettoyage de fosses septiques, j'ai nettoyé des avions, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, j'ai fait plein de choses. Je travaillais comme serveur, voilà, beaucoup de trucs. Et ensuite, ben, j'ai passé un brevet d'état des métiers de la forme à l'âge de 25 ans, à peu près 25-26 ans. C'était la dernière année où c'était un brevet d'état, après c'est devenu un BPJEPS. Donc voilà, ma formation, c'est un brevet d'état des métiers de la forme. Et attends que je retrouve les questions. Et depuis combien de temps travailles-tu dans le secteur sportif? C'est simple, j'ai été diplômé en juillet 2007.
Donc là, on est en 2021, ça fait 14 ans, ça va faire en juillet de l'année qui vient, ça fera 15 ans que je suis dans le milieu du sport, voilà. Donc ça ne me rajeunit pas tout ça, hein, mais alors pas du tout. Quels sont tes projets d'avenir pour toi, pour ta chaîne? Alors pour moi, donc, que ce soit clair, moi je suis déjà marié, j'ai deux gosses, un garçon, une fille, un chien, un chat, je veux dire, j'attends rien d'autre, hein, j'ai pas d'autre, peut-être prendre un aquarium avec des poissons ou une tortue à mettre dans le jardin, mais je veux dire, en dehors de ça, non, j'ai pas de projet spécialement pour moi. Mon projet, c'est voilà, de garder mon style de vie actuel qui me convient très bien et basta. Après, pour la chaîne, alors pour la chaîne, je l'ai dit un peu avant, mais les projets principaux pour la chaîne, c'est tout simplement de la relancer. Parce qu'en fait, ben ouais, aujourd'hui j'ai 100 000 abonnés, mais en fait, d'abonnés actifs, j'ai plus personne, j'ai perdu tout le monde. Là, je balance une vidéo, je fais 1000 vues, tu vois. Donc, mon projet pour la chaîne, c'est déjà de la relancer. Donc, dans les médias, de faire un paquet de vidéos, et surtout des vidéos intéressantes, hein, d'accord, des vidéos qui interpellent, des comment faire ci, comment faire ça, comment améliorer ma vie. D'ailleurs, il y a quatre grandes thématiques maintenant sur Santé de Fer. Enfin, ça a toujours été le cas, mais je vous le dis pour que ce soit clair. Il y a la thématique fitness. D'accord ? Donc là, je vais parler de sport, parler de remise en forme, etc., etc. Il y a l'aspect alimentation. Donc là, pareil, je vais parler d'alimentation, proposer des recettes, parler d'aliments, de micronutriments, où on peut les trouver. Troisième thème, le développement personnel. Alors, j'aime pas trop le thème développement personnel, mais je vois pas trop quoi utiliser comme autre terme. Mais l'idée d'améliorer un peu son quotidien. Parce que le nom de la chaîne, en fait, les gars, c'est santé de fer, quoi. Et santé de fer, c'est pas que le sport et l'alimentation. C'est aussi un mode de vie. C'est aussi une manière de voir les choses, une manière d'appréhender son environnement, d'appréhender son quotidien, de mettre en place des projets, de poser des actions. Et il y aura également un dernier aspect qui est ben, le véganisme. Oh, celui-là, ça c'est mon péché mignon les gars, je peux pas m'en empêcher. Donc fitness, alimentation, développement personnel et jamais vegan. Ça, on va continuer parce que… Mais ça pour moi, c'est un loisir. Voilà, c'est mon kiff perso. Tu vois, il y en a, ils aiment la glace. Il y en a, ils aiment, je sais pas moi, boire un petit verre d'alcool. Moi, j'aime bien faire une petite vidéo sur le véganisme de temps en temps. C'est mon truc. Donc, l'avenir de la chaîne, se focaliser sur ces quatre types de vidéos, travailler sur mon livre sur le véganisme pour défoncer le véganisme tout simplement, qui j'espère sortira avant la fin de l'année. Ça prend du temps de d'écrire un bouquin. Et enfin, travailler sur les projets de programmes, de formation, de remise en forme. Je pense que je vais relifter mon programme de corde à sauter parce qu'il était un peu vieillot. Donc, je vais le remettre au goût du jour. Donc, pour ceux qui l'avaient déjà acheté, vous aurez accès directement à la nouvelle version. OK ? Alors, je dis pas que je vais faire ça demain, hein, les gars. Vous emballez pas. Hein. Mais je pense qu'avant la fin de l'année, c'est bon. L'année 2022, hein, attention. Pas la fin de l'année 2021. Voilà, ça c'est l'avenir de la chaîne. Donc les vidéos, le livre et les programmes, les formations. Ensuite, ta position sur faire du sport en salle avec un air fraîchement expulsé de la VMC ou pas de sport du tout. Sport en salle avec l'air de la VMC, bon, pour moi il n'y a aucun problème. Enfin je veux dire, il n'y a pas photo. Et sinon, courir, faire du vélo en ville en reniflant les pots d'échappement des véhicules ou ne pas faire de jogging vélo quand on vit en ville. Alors, c'est un peu la même question que tu viens de me poser avec la salle de sport. Pollution ou pas pollution, le sport aura toujours plus de choses à t'apporter que si tu n'en fais pas. Donc premièrement, fais attention si tu veux faire du vélo ou du footing en ville. Évidemment, tu ne vas pas courir sur le périph aux heures de pointe. Tu essaies de prendre des heures où justement, il n'y a pas plein de bagnoles dans les rues, de motos et compagnie. Ça me paraît évident. Après, à un moment, il faut accepter, tant pis. Tant pis, on s'en bat les reins. Dis-toi juste qu'à partir du moment où tu fais du sport, tu déclenches des habitudes vertueuses. Quand tu fais du sport, tu es plus oxygéné. Même si tu es dans un environnement pollué, tu es quand même plus oxygéné. Tu sollicites ta masse musculaire, tu sécrètes des endorphines, tu sécrètes de la dopamine. Et donc, ça fait de toi une meilleure personne, plus positive, plus apte un peu à répondre au stress quotidien, tu vois, qui va prendre soin de gérer son alimentation un peu plus que s'il ne faisait pas de sport. Et en fait, comme ça, le sport, c'est bien plus que juste entretenir son corps physique. C'est-à-dire que le sport, on va t'apporter tout un tas de pratiques vertueuses qui vont venir se greffer dessus. C'est une sorte de base fondamentale. Et le pendant opposé, c'est que quand tu fais pas de sport, c'est pas juste ne pas faire de sport. C'est qu'après, tu vas développer de mauvaises habitudes parce que quand tu descends une pente, tu descends, mais tu la dévales comme si tu étais une boule, quoi. Tu la dévales à grande vitesse. Alors, ça commence par je ne fais pas de sport. Après, ça commence à être j'ai plus envie de cuisiner donc je mange de la merde. Je passe mon temps à regarder des vidéos sur YouTube, sauf les vidéos de Santé de Fer qui sont de qualité. Mais je veux dire, je perds du temps à regarder des vidéos de merde de gens qui critiquent un tel, qui font du drama, je sais pas quoi. Voilà, bref, c'est toute une suite de mauvaises habitudes, tu vois, de flemme, de fainéantise, de malbouffe et de vice. Après, c'est boire de l'alcool pour s'occuper. En fait, tu vas chercher émotionnellement une satisfaction que tu obtenais avec le sport. Toute ta dopamine, toutes tes hormones positives que tu sécrétais avec le sport, tu ne les sécrètes plus. Tu vas essayer de les retrouver avec d'autres choses beaucoup plus vicieuses, en fait. Donc, air pollué ou pas air pollué,
sport d'abord. Voilà, toujours. Valentin, quel est ta diète actuelle? Toujours carnivore? J'ai déjà répondu avant, donc je suis à dominante animale. Je vais arrêter d'employer le terme carnivore. Dominante animale. Si oui, as-tu eu des effets négatifs suite à l'arrêt des légumes? Plus précisément des fibres. Étant sensible des intestins, je remarque toujours une amélioration lorsque je diminue ces derniers. Écoute, Valentin, effectivement, c'est normal que tu te sentes mieux quand tu réduis les fibres alimentaires, hein, tout simplement, puisque ce sont les fibres qui causent la constipation, qui irritent les intestins, voilà, qui te rendent très sensible. Donc, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien juste ici sur l'inutilité des fibres. Donc, si vous avez des problèmes intestinaux, petit régime carnivore, hein, d'accord, stoppez l'ingestion de fibres et ça ira bien mieux. Pourquoi, David, est-ce que tu es maintenant complètement chauve? Alors, je l'attendais un peu, hein, j'ai prévenu personne. Il faudra que je change la photo de profil de ma chaîne d'ailleurs, hein, où j'ai encore des beaux cheveux dessus. Alors, pourquoi je suis chauve? Bon, là, vous voyez, ça repousse un peu. Normalement, je passe très près, je passe en fait sans sabot. Et je rase tout. Ben, j'ai rasé la tête tout simplement pour assumer le truc totalement. Je pense que quand tu fais de la calvitie, en fait, moi, c'est pas que je faisais de la calvitie dans le sens où petit à petit, j'avais de moins en moins de cheveux. C'est juste que j'ai eu une perte brutale de cheveux. J'en ai déjà parlé fréquemment à l'époque où j'étais végétarien. Alors, je dis pas que c'est le végétarisme, mais bon, voilà, c'est tombé à cette période-là. Donc, il me manquait des cheveux au niveau des golfs là et au niveau ici, là, de je sais plus comment ça s'appelle, ici au sommet du crâne. Donc, plutôt que de tourner autour du pot et à essayer à chaque fois de misérer, te coiffer en essayant de faire en sorte, à un moment, tu assumes, tu rases tout, quoi. Voilà. Donc, j'ai plus de cheveux parce que je me suis dit, ben, je rase tout. Et donc, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui galèrent, justement. Ils se mettent en souffrance, tu vois, par rapport à la calvitie, à essayer de trouver des moyens, de cacher un peu de ci, de ça. Il y a une différence entre devenir chauve et être chauve. Là aujourd'hui, je suis chauve. Chauve parce que je l'ai voulu, mais je suis chauve. Et ça, ça change la donne. Ça change tout à fait la perception des choses. Et vous verrez, pour les gars qui font de la calvitie, à un moment, tente-le. Si t'as pas les cheveux jusqu'aux fesses, je veux dire, si t'as ça de cheveux, passe un coup de tondeuse sans sabot, tu vois comment tu te sens et tu vas voir que tu vas te sentir libéré et tu vas te sentir bien mieux. Donc après, voilà, en plein soleil, n'oublie pas de mettre de la crème solaire parce que la dernière fois, j'ai pelé de la tête, c'était ridicule. Et dernière question de Annie. Salut David, lors de ton interview avec Émilie Janin, tu avais rapidement montré ton chien, il avait l'air très mignon, j'ai pas bien vu, c'est quelle race? Oui, alors, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais pour ceux qui regardent vraiment mes vidéos, vous avez vu probablement un petit chien à l'époque, rouquin, là, un peu une dégaine de renard, c'était un Royal Bourbon. Ce chien s'appelait Til, mais malheureusement, Til, c'était mon chien qui a disparu au mois de février. Alors j'étais dégoûté, il a disparu. Alors avec ma femme, on a tout fait. J'ai placardé des photos de partout. Je suis allé sur le groupe Facebook, pète alerte, pète machin, nanana, nanana. Je suis allé à la fourrière tous les jours. J'ai jamais retrouvé le chien. Il est sorti un jour du jardin. Ça lui arrivait de sortir 10 minutes pour aller pisser, puis il est jamais revenu. J'étais dégoûté, j'étais au bout de ma vie. Et du coup, voilà, on l'a jamais retrouvé. Il s'appelait Til. Et en août, c'est mon anniversaire et ma femme m'a offert un nouveau chien. Parce que voilà, moi j'ai besoin d'avoir un chien près de moi. C'est mon meilleur ami. J'ai eu un problème de son, j'ai perdu le micro, j'ai mis un autre micro. Je ne sais pas si on a vu ça, au cut. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, moi, j'ai besoin d'avoir un chien pour être épanoui. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, bordel les gars, quoi. C'est notre compagnon de chasse, quoi. Bon, je ne chasse pas, mais si j'avais chassé, j'aurais fait avec mon chien. Du coup, je vais vous le montrer. Il s'appelle Spike. C'est en référence à la protéine Spike. Vous connaissez la protéine Spike? C'est à la mode, hein, c'est actuel. Spike, viens ici. Allez, Spike. Allez, viens ici. Fais pas le feignant. Allez, viens là. Allez, je vais te montrer au copain. Allez, je vous montre mon meilleur copain. Donc, je me suis mis à peu près, hein. Bon, c'est pas grave. On voit que j'ai 43 ans. Ah, quand même, putain, merde. Je vais me faire les poches sous les yeux. Donc, ça, c'est Spike. C'est mon petit Staffy. C'est un petit chien super gentil. Il est né le 9 juin de cette année. Donc là, il a 6 mois. Il va faire bientôt 7 mois. Et il est adorable. C'est un chien, voilà, je suis très content de lui. Il est très obéissant, très réceptif aux ordres. Mais bon, je crois que c'est propre un peu à la race quand même. Ils comprennent vite les mots, quoi. Hein. Assis, couché, pas bouger, va chercher, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Attaque, attaque, attaque. Allez, Spike, attaque. Bon, les gars, c'est tout pour cette première FAQ. J'espère que ça vous a plu pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Si vous voulez une deuxième, dites-le moi dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Préparez vos questions, vous me les mettez directement en commentaire. Là, je ne vais pas faire une spéciale abonné à la newsletter, on s'en fout, on est entre potes. Hein. Donc, si vous voulez une prochaine FAQ, vous me le dites en bas, vous mettez hashtag FAQ santé de fer, tu poses ta question et ça, après, je note et je ferai une prochaine vidéo. En attendant, là, aujourd'hui, quand je filme, on est le 27 décembre. Donc, j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées pour vous et j'espère que le jour de l'an se passera bien aussi. Faites-vous plaisir, profitez des amis, profitez de la famille et je vous dis à l'année prochaine, hein, pour une nouvelle vidéo parce que là, les jours qui viennent, c'est sûr que je n'en sortirai pas une autre. Hein. Donc, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end, un bon réveillon, pardon, du jour de l'an
et à bientôt sur santédefer.fr. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut les potos.